Father Navarras, we have some questions for you. You are the director of the GRS, the Jesuit Refugee Service in Syria, and you live in Damascus. We hear here a lot about the war that's raging through your country and in big towns as Aleppo, Homs, and Hasake. But how is the actual situation in your capital where you live for the moment? En fait, la situation à Damas est comme toutes les villes syriennes aujourd'hui, c'est-à-dire le combat pourrait être à quelques centaines de mètres du centre-ville. C'est maintenant connu comme un partout en Syrie. Et parfois, il y a des choses aussi qui arrivent jusqu'au centre-ville, c'est-à-dire quand il y a des mortiers qui tombent, quand il y a des... Parfois des attentats, voitures piégées, etc. Ça arrive. Il y a 2 semaines, par exemple, à Damas, il y a eu une sorte de menace qui a été réalisée le lendemain, là où un groupe a lancé 150 mortiers et missiles sur la capitale, sur la zone dite sécurisée et sécure. Donc, voilà, ça pourrait arriver. N'importe où, ça pourrait arriver à n'importe qui, qu'il y ait cette espèce de danger ou de mort, j'allais dire aléatoire. Donc la capitale aussi, comme toutes les autres villes, il y a des choses qui se passent, il y a des combats autour, il y a des quartiers de la capitale, de Damas même, là où il y a des combats. Mmh. Là où il y a des combats. Là où il y a des bombardements, là où il y a aussi de l'aviation qui bombarde. Donc on voit parfois les MiG, qui sont les avions de chasse, qui survolent la capitale à une altitude de même pas 100 mètres parfois, qui bombardent et qui reviennent. Donc voilà, la capitale n'est pas épargnée, quoi, mais bon. Quand même, comparer la vie quotidienne à la capitale est beaucoup plus facile que les autres villes aussi, parce que de point de vue service, c'est-à-dire s'il y a une coupure d'électricité, on a des coupures d'électricité, et ça pourrait aller pour 12 heures, alors que dans des villes comme Alep ou Homs, ça pourrait aller pour 16 heures ou 20 heures, ou même parfois plus. Oui. Et la population même, votre communauté chrétienne, comment ils se sentent avec cette situation? Sont-ils stressés ou comment on doit décrire ça? Ben, écoutez, la communauté chrétienne, comme tout le monde, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre un musulman et un chrétien actuellement en ce qui concerne l'inquiétude, en ce qui concerne la peur, en ce qui concerne... aussi l'angoisse, on est angoissé, on est stressé, comme tous les autres. Là, il n'y a pas de différence de point de vue réaction psychologique à ce qui se passe. S'il y a peut-être une différence, c'est peut-être l'inquiétude sur l'avenir plus que les autres. Oui, je dirais oui, peut-être. Et là, ce n'est pas lié aux circonstances autour. C'est lié à une sorte de vision, là on voyait malheureusement, moi je dirais, hélas, la plupart des chrétiens ont perdu confiance. Et c'est ça la raison principale pourquoi l'inquiétude peut-être des chrétiens concernant l'avenir est beaucoup plus grande que les autres. Mais du point de vue réaction à ce qui se passe à la guerre, moi je dirais c'est la même. How many displaced people are there in Syria for the moment, and how many of them are Christians? Les déplacés internes, selon les estimations des Nations Unies, il y a 7,6 millions de déplacés internes. Pour la plupart, ce sont des musulmans. Moi, je dirais même 98%, 90%, 98% des déplacés sont des musulmans. Peut-être il y a 2%. Ceux qui ont quitté Jazira, la région de Jazira, ça, il n'y a pas de doute, ils sont la plupart. Ceux qui ont quitté aussi Alep, il y a deux tiers à peu près de la population chrétienne d'Alep, autour de, moi je dirais, il n'y a pas de statistiques, mais autour de 75 000 personnes qui sont parties des chrétiens d'Alep.
Et donc, ceux qui ont quitté le vieux Homs aussi, qui étaient partis, ils étaient la première communauté chrétienne qui était touchée. Donc, oui, mais sur le nombre total des déplacés, moi je dirais que ça ne dépasse pas les 2%. Ça fait à peu près 200 000 personnes chrétiens déplacées, ce qui fait à peu près 2 à 3% de l'ensemble des déplacés syriens. Mm-hmm. And how does the Jesuit Refugee Service help those people? En fait, on a nos projets dès le début. On a appris en faisant des choses, disons. C'est-à-dire, on était choqués par ce phénomène auquel on n'est pas très habitué. C'est de voir des familles qui étaient obligées de quitter pour chercher, d'une certaine manière, la sécurité. La sécurité. Et là, ça a commencé en 2012, à peu près vers le mois de février 2012, c'est-à-dire 10 mois après le commencement, le début des événements. Ça a commencé avec les gens de Homs. Ça a commencé d'abord avec les chrétiens de la ville de Homs, mais ça a été suivi après par tout le monde, c'est-à-dire... Donc, ce que nous avons fait et ce que nous faisons toujours, c'est d'essayer d'accueillir ces gens. On a nos centres et quand ils viennent, ils font la demande d'aide. Et dans un intervalle, même pas d'une semaine, ils sont visités par une équipe de visite de famille. Et selon des critères bien établis de notre part, ça on l'a appris au fur et à mesure de faire les choses, et on voit si cette famille correspond bien à nos critères, c'est-à-dire parce qu'on ne peut pas aider tout le monde, il faut faire le choix. Donc on cherche le plus vulnérable, et là le plus vulnérable selon un critère, selon des critères, selon une grille que nous avons établie. En fonction, on dit si la famille est accueillie, si elle est acceptée, à ce moment-là, reçoit systématiquement, à la fin de chaque mois, un panier alimentaire. Et il y a des distributions aussi d'autres choses qui ne sont pas alimentaires, comme ce qu'on appelle le non-food items, des couvertures, des matelas, des paniers d'hygiène générale, des choses aussi, des vêtements, notamment pour les enfants, des vêtements chauds ou bien des vêtements d'été, etc., etc. Donc ça, c'est le travail de la distribution. Dans le cadre des choses alimentaires, nous avons établi des cuisines de campagne, soup kitchen. Donc, et là, on essaye de répondre aux besoins des gens qui ne sont pas inscrits chez nous directement, mais qui se trouvent dans des refuges, des shelters, et qui ne sont pas servis directement ou qui ne sont pas couverts pour des choses distribuées. Et même parfois, même si on leur donne des paniers alimentaires, ils ne sont pas capables de cuisiner, ils n'ont pas les moyens. Et du coup, l'idée est venue de faire une sorte de cuisine, de campagne pour les servir. Et là, jusqu'à maintenant... On a deux cuisines. Il y en a une qui est à Alep, et là où nous servons actuellement 9000 repas chauds par jour, à peu près. Il y en a une autre qui est dans la partie rurale de Damas, où là nous servons 5500 repas chauds par jour. On a atteint le niveau, parce qu'il y en avait d'autres, après la libération de vieux Homs, pour aider les gens à rentrer, on a établi une cuisine pour 6 mois. Et aussi, il y avait une autre cuisine. Donc, on a atteint à un moment donné 35 000 repas chauds par jour dans toute la Syrie. Actuellement, on est sur à peu près 15 000 repas chauds par jour à Alep et dans la partie rurale. Ça, c'est tout le service d'assistance direct food, d'assistance alimentaire et non alimentaire. Deuxième volet de notre travail, c'est tout ce qui est le côté médical. Et là, nous essayons de venir à l'aide. Pour les personnes atteintes des maladies chroniques. Et là, on distribue des médicaments. Et on a développé encore à Alep, parce que la situation médicale à Alep, il y a un besoin énorme, on a développé cette idée-là, ce concept-là, pour arriver à établir une clinique
avec des médecins spécialistes, médecine interne, pédiatrie, gynécologie, et avec une pharmacie et possibilité aussi de référer les gens pour des services spécialisés, plus spécialisés dans les hôpitaux, ou bien pour tout ce qui est côté diagnostic, que ce soit analyse sanguine ou bien tout ce qui est radiologie. Et donc, voilà. Et là, c'est un service là où nous assurons, par exemple, à Alep, tous les jours, au moins il y a 150 visites des nouveaux malades. Donc avec le système de referral, avec tout ça, c'est un service très important. À Homs, il y a à peu près 400 personnes qui sont à la recherche des médicaments tous les mois que nous aidons. Et à Damas, on a atteint à peu près 1500 personnes que nous aidons pour leur procurer les médicaments dont ils ont besoin tous les mois. Donc ça, c'est le côté médical. Troisième côté, tout le travail avec le soutien des enfants, soutien psychologique et éducatif. Et là, on a nos centres aussi qui ne sont pas hyper spécialisés dans le sens on a des psychiatres d'enfants, on a des psychanalystes d'enfants, on a des psychologues spécialistes d'enfants. On fait avec ce que nous pouvons et avec ce que nous avons. Et ça se passe par les activités. On essaie de former les jeunes que nous avons avec l'expertise et les gens experts que nous avons, de compléter les lacunes de connaissances en faisant des formations locales et en se basant sur justement le bon accueil et sur les activités. Et ça marche, ça marche. Et là, l'année dernière, 2014, nous avons servi 6000 enfants dans toute la Syrie. Cette année, nous comptons faire deux programmes, chaque programme à peu près 2500, 6 mois pour 6 mois. Donc, ce qui fait aussi 6000 enfants servis pour toute l'année, j'espère encore, parce que on n'a pas. Enfin, on a, le projet est un petit peu couvert, on va voir comment ça va continuer. Ok. A question now for Father Murat Abu Saif. Father, you are also working for the GRS service, but you're working in Brussels now for the moment. What are you doing here? I will start maybe of en français, si vous voulez, oui. Okay. On continue en français. Oui. Donc, je suis arrivé ici le 15 avril et je suis arrivé le 15 janvier et je suis arrivé de Dublin parce que j'ai quitté Alep où j'étais directeur du projet d'Alep pendant 5 ans entre 2009 et 2014 et donc je suis maintenant en un temps de formation le troisième an de noviciat chez les jésuites, c'est la dernière étape de formation. Et à Bruxelles, actuellement, je suis pour 3 mois pour aider dans le bureau régional de GRS Europe. Donc, essayer de faire quelque chose avec eux pour le soutien dans la crise syrienne. Ok. Est-ce que vous êtes aussi en train d'aider des Syriens chrétiens de venir en Europe pour chercher un refuge ici ou ça c'est pas votre travail? C'est pas le but de mon travail ici. J'essaye de faire des connaissances et peut-être de faire connaître la situation des réfugiés en général. On ne travaille pas en Syrie, on n'a jamais travaillé seulement pour l'Église ou pour les chrétiens, ni seulement pour les musulmans, on travaille pour les Syriens. Et ce qui est vraiment spécifique à notre projet, et ce qui fait peut-être le quatrième vol ou partie de notre service, c'est d'établir de l'aide à travers la coopération et la,
la coordination entre toute la société syrienne avec toutes les couleurs qui constituent cette société. Donc, dès le début, nos projets ont été établis pour tout le monde et par tout le monde aussi. Donc, on est chrétiens et musulmans qui travaillent ensemble pour la Syrie. Et c'est comme ça qu'on a servi notre société. C'est ça la solution pour la Syrie, pour le futur? La solution, j'ose pas parler maintenant de la solution parce qu'on est... on se sent loin encore de trouver une solution. Les choses de plus en plus sont compliquées vraiment et complexes. Et donc, je peux dire que à partir de notre manière de travailler pour tout le monde et avec tout le monde, on sème les grains d'une société ouverte à tout le monde dans l'avenir. Les grains de la réconciliation, les grains de la possibilité de vivre ensemble. Et c'est la seule, à mon avis, hein, c'est la seule possibilité d'aider la Syrie à sortir de ce conflit par montrer à la société syrienne et à la société internationale aussi, à la communauté internationale, qu'il y a une possibilité de vivre ensemble en Syrie, entre chrétiens et musulmans et alaouites et druzes et tout le monde. Il y a une possibilité. Maintenant, les circonstances qui passent rendent cela difficile aujourd'hui, mais on garde un espoir pour l'avenir. Ok, merci. Tu as encore quelques questions à la clé? Mon collègue Luc vous a demandé si vous aidez bien sûr les réfugiés à venir ici en Europe, surtout en Belgique. Moi, je peux encore reformuler un peu pour savoir si la GRS a une collaboration avec le service d'immigration européen pour pouvoir aider les réfugiés sans distinction de religion ou de qui quoi que ce soit, à trouver l'asile ici sur place. Donc la collaboration de l'organisation avec le service de l'immigration ici en Europe. Okay. On n'a pas dans notre projet, on n'a pas un objectif qui dit que les jésuites, le service jésuite des réfugiés établit un projet pour aider les gens à s'installer ici ou là, ou à émigrer ou ne pas émigrer. Il y a des cas, peut-être des cas spéciaux qu'on essaye d'aider à travers nos connaissances ici. Donc le GRS en Europe, il a ses bureaux et ses manières de faire et d'aider. Si on peut aider des personnes qui sont arrivées ici à bien installer, à être bons citoyens ici, on le fait, mais sinon on n'a pas un projet spécifique pour aider les gens à sortir ou à s'installer ailleurs. Mais si je peux ajouter quelque chose, dans la mission principale de GRS qu'on a annoncée dès le début, c'est d'accompagner, de servir et de défendre le droit des réfugiés. Et là, sur ce troisième volet, on a un service particulier, notamment dans les pays... j'allais dire qui accueille les réfugiés ou des migrants. Là, on aide parfois les sans-papiers, les asylum seekers. Là, il y a ce système dans le cadre de défendre le droit des personnes, le droit fondamental des personnes, de venir et de demander la protection. C'est ce volet-là, il y en a qui travaillent, c'est le bureau d'advocatie, mais il n'y a pas un projet particulier, comme disait Mourad. Mais ça fait partie de notre mission foncière de base. Donc, dans les pays qui accueillent, mais pas le GRS Proche-Orient ou Syrien, qui aide les gens à le faire. Alors, si on essaie de résumer votre message en peu de mots, qu'est-ce que vous pouviez dire maintenant? Un petit résumé de quelques lignes.
Je dirais que la situation est très difficile pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui commencent à perdre de l'espoir. Et peut-être pour nous aussi, on ne voit pas jusqu'à maintenant une lumière au fond du tunnel, là où on est. On ne voit pas, mais ma foi dit qu'il y a quelque part une lumière. On n'arrive pas à la voir maintenant, mais on est en train d'aider les gens avec qui on travaille à garder cette foi et cette espérance que Dieu est là et il est en train de faire quelque chose pour nous. Et qu'est-ce que nous pouvons faire comme croyants, comme chrétiens ici en Europe pour vous, pour les Syriens sur place? Moi, je dirais, c'est toujours dans la continuité du message. Évidemment, il faut pas. Enfin, Dieu existe, ça c'est ma foi. Mais aussi, Dieu dépend, compte sur nous pour que sa présence soit réelle. Et donc, moi, je dirais d'une manière générale que nous fassions tout pour la paix, pas pour la guerre. Que nous fassions tout. S'il y a une campagne, ce n'est pas pour bombarder Daesh, mais pour rétablir la paix en Syrie. Mm. Que soit de ce billet-là que de l'autre billet. Mm. S'il y a une campagne de dire « aidons les Syriens », c'est pour aider la dignité de tous les Syriens en tant que personne. Et ça fait partie intégrante de l'Évangile. Toute personne humaine est digne, a sa dignité. Donc voilà. C'est dans ce sens-là. Ok. Merci bien pour cette interview, Père Navras Samour et Père Mourad Abou Seif. Merci. Yeah, thank you very much.